gros miracle Jésus t'a fait quand il t'a trouvé lui sous la mer dans un bateau avec disciples. Si là yo t'es pris en panique, en temps tempête là t'es commencé saccager bateau. Mais Jésus t'est venu lever, il t'a commandé gros vent pour te camper. Toute bagaille t'est venu calmer. Pendant célébration ça, on demandait bon Dieu pour ba nous plus la foi. Pour les moments qui paraissent difficiles devant nous, pour nous pas peur, mais pour nous croire plus fort toujours, parce que Jésus est toujours là avec nous, dans tout moment épreuve nous. Pour nous, en campagne pour nous commencer la célébration, pour nous chanter avec la chorale. Dimanche du temps ordinaire de l'année B. La liturgie de ce jour nous invite à nous laisser regarder par le Christ. Elle nous invite à nous laisser regarder par cet amour, à nous laisser regarder par ce Dieu qui sait calmer les tempêtes qu'il y a dans nos vies. Au seuil de cette tempête, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Humblement, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Il
Prions ensemble le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de ce que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans cette lecture, Dieu fait comprendre à Jacob qu'il est le seul créateur, le seul maître, le seul souverain et qu'en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Lecture du livre de Job au chapitre 38, les versets 1 à 11. Du milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job, « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein de l'abîme, quand je fis de la nuée sans vêtements et l'enveloppai de nuages pour lui servir de linge, quand je lui ai posé des limites et que je disposai les portes et leurs verrous. Je lui dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du au Seigneur, ce qu'il a sauvé de l'adversaire, ceux qui ont vu les actes du Seigneur et ce miracle sur les eaux. La tempête se déchaîne, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel ou tombant aux abîmes. Il sentait leur sagesse s'engloutir. Leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il a réduit la tempête au silence, faisant taire les vagues. A conduit heureux et tranquille jusqu'au port qu'il désirait,
qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. C'est ce que dit Saint Jean dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 5, les versets 14 à 17. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour nous tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quand quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Chante les merveilles du Seigneur, mon âme, il a fait merveille pour ma vie, merveille pour mon cœur, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire au Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples: passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient dans la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient: « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit: « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: « Qui est-il donc pour que même le vent
et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Dans le 12e dimanche, année B1, liturgie a présenté nous un péricope évangélique. Nous sommes capables de titrer la tempête apaisée. Et parti ça, invitez-nous toutes et nous chaque pour nous chercher à connaître Jésus plus bien. Pour nous questionner l'identité de Jésus, nous sommes capables de répondre et même poser la même question que nous disciples de poser. Qui est-il donc? Qui est Jésus? C'est une parabole qui est chargée avec images. Et toutes les images sont symboliques. Elles ont une signification propre. Et c'est ça que nous allons essayer faire justement, nous allons essayer découvrir. Qui message qui dégage non parti ça la tempête apaisée. M'a commencé pour dire nous toute la journée Jésus parlait en parabole. Nous rappelons que parabole là c'est une figure de style que Jésus souvent utilisait pour être capable de parler avec foule là et avec disciples. C'est une façon pour être capable de transmettre connaissance royaume ciel là. Mais gagner deux réalités. Première réalité, c'est que Jésus, quelquefois, il parlait avec foule là, et quelquefois tout, il n'a pas parlé avec toute foule là, il parlait avec disciples à part. Parfois, on apprend Jésus parler avec tout le monde. Parfois, on voit Jésus parler seulement avec disciples. Donc, mais la partie ça, miracle, ça qui va le faire là, enseignement, ça qui va le faire là, c'est avec seulement disciples. Et ça fait, les Jésus fin parler avec tout le monde, les joignent au petit temps pour le capable de retirer les besoins, retirer, aller de l'autre côté. Ça montre que Jésus, c'était purement humain. Tout le monde fait expérience ça. Il y a des séries de monde, des fois, il remet le monde de côté. Parler, faire blague, dialoguer. Mais quelquefois tout, il senti, il t'a remis en côté pour compte lui. Mais par contre, si nous comptons comme ça, nous pas comme ça. Quelquefois nous t'a remis pour compte nous, quelquefois nous capable avec mon nous, mais quelquefois tout nous senti besoin pour nous retirer nous pour nous y autre côté pour compte nous. Donc Jésus t'a senti ça. Il était dans foule mon yo et mon disciple pour nous retirer yo pour y aller yon l'autre côté. Et qui côté va mener Jésus, il va monter sur un bac avec Jésus. Passons sur l'autre rive. C'est ça Jésus te dit. On allait de l'autre côté, on allait de l'autre bord. Je traversais avec Jésus. Je montais sur un canote avec Jésus. Canote ça, ce n'est pas pour sans raison l'image d'Allah. Canote là, en pile père de l'église, il t'a réfléchi. Yo, depuis l'Ancien Testament, l'homme a été signifié à son pâle. Mais vite, je ne connais là, avec façon de l'interpréter, partie ça, je vais considérer bateau à tant que l'église là. Et Jésus montait ce bateau, disciples avec lui. Donc, dans le bateau, il y a Jésus avec disciples. Et dans l'église là, qu'est-ce que nous dit l'église là? Nous dit l'église là, il y a une tête, tête l'église là, c'est Jésus. Pas oublié, il dit dans le bateau, il y a Jésus avec disciples. Donc, dans l'église là, c'est de même. C'est Jésus qui s'est tête l'église là et que l'église là bâti sous la foi apôtre. Donc, ça veut dire dans l'église là, il y a une réalité ça. Le Christ et les apôtres. Tout comme dans le bateau, il y a une réalité ça. Le Christ et les apôtres. Mais, Jésus, ça le fait. Le bras le chita,
Je vais dire calbato. Il va acheter un côté bien loin. Et puis il quitte, disciple, aller avec bateau, mener bateau. Il dit, nous venons vers un moment, il y a une grosse tempête. Tempête. C'est une bagaille, depuis non tant longtemps, nous étions très peur. Il y a peur de tempête. Il y a peur de mauvais temps. Non tant longtemps, pas de gagner une grosse invention humaine, ça y est. Quand il y a capable de voyager sur avion, il y a qui voyage sur machine, il y a qui voyage sur plusieurs autres bagages que le monde crée, la science crée. Mais notre temps, Jésus peut te dire ça. Gros voyage, comme on dit qu'on fait, c'était sur bateau. Et ça fait, en pile fois, on a peur, tempête. Et tempête là, il saccage tout bon. Il dit qu'on considère tempête là comme malédiction. Et voilà que pendant la tempête, la saccage le bateau comme ça, l'eau commence à rentrer dans le bateau. Donc, il y a l'eau qui a fait, le monde qui est dans le bateau peur. Et ça fait, nous comparer la parabole, le bateau ça, avec l'église là, nous voyons la réalité à présent. En pile fois, quand il y a l'eau qui est rentrée dans le bateau de l'église là, quand il y a une incompréhension, nous connaissons que même si c'est l'Esprit Saint qui a mené l'Église là, mais c'est une institution humano-divine. Il y a l'homme, il y a Dieu. Ça veut dire, en pile fois, puisque c'est l'homme qui a mené l'Église là, l'homme non, est parfait. Mais ce qui fait l'Église capable toujours qu'il y a, c'est parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et l'Esprit est parfait. C'est ça qui fait l'Église là, j'aime qu'à caser. Donc, le bâtiment va coller parce que Jésus là, il est présent dans le bâtiment. Et que pas peur, Jésus pas peur, il n'est pas qui de tout vent contraire, de tout l'eau qui a entré dans le bâtiment. L'eau qu'on est là, puisque vous faites entrer, et que vous sentez le bras coller, dissipe vos peur. Et Jésus qui s'est dit, Jésus a fait, Jésus a dormi. Dissipe comme il y a l'impression que Jésus a dormi, mais Jésus n'a pas dormi. Parce que vous n'avez pas comprendre. Hein? Pour bateau à balancer de bord, pour de l'eau à entrer dans le bateau, et puis pour Jésus t'a dormi, il fait semblant de dormir. Ça va arriver nous dans la vie nous comme chrétiens. Des fois, nous on a demandé qui côté bon Dieu est. Il y a des bagages qui arrivent nous. Nous on a dit pour j'aime servir bon Dieu, pour j'aime dévouer mon travail bon Dieu, côté bon Dieu. Pour qui s'attend de mal arriver. Et ces questions-là que Job lui-même t'a posé tête lui, que nous joignons directement dans le premier mot sur la Bible que nous sommes côté. Côté bon Dieu. Pourquoi le mal? Pourquoi? Pour qui ça moi-même qui est innocent, en pile fois c'est moi-même qui mal arrivé. Pour qui ça mon qui fait mal, en rien pas jamais arrivé, c'est mon qui fait bien tout en c'est qui arrivé. Pour qui ça? Côté bon Dieu. Yo. Bon Dieu m'a servi à côté lié. Donc, c'est plus peur. Mais, même si nous avons des vents contraires, nous battons nous. Même si nous avons l'impression que mon Dieu n'est pas là, ne pas inquiéter nous. Il est là. Jésus est là, dans battons avec nous. Jésus, avec Jésus, on y est mal, pas arrivé. Et c'est ça, disciple, pas de connaître. Qui vient avec eux, il y a le souk de Jésus. Maître, pour qui ça va dormir? Est-ce que parole qu'il nous a amené? Très souvent, nous posons des questions. Grand maître, pour qui sont abdomi, est-ce que pas ouais qu'elle va pas payer? Est-ce que pas ouais si mon ne pas manger? Est-ce que pas ouais petit mon pas aller l'école? Pour qui ça grand maître abdomi? Pour qui sont pas fait intervention par là dans la vie? Grand maître, pour qui sont abdomi? Est-ce que pas ouais m'pas gain job, m'pas gain travail? Grand maître, pour qui sont abdomi? Est-ce que pas ouais malade? C'est qu'on tombe pour m'aller. Donc son cri en pile fois de désespoir. Mais qui t'a voulu impliquer un cri de confiance, tout. Jésus levé, il calmer la tempête là. Il dit tempête là, c'est pour le paix, c'est pour le suspendre. Et là, tout, tempête là suspendre. Frère, monsieur, ça arrive que nous avons pile tempête dans la vie, non? Des fois, nous sommes capables de marcher bien frais, bien belle, bien grand. Nous sommes gros, nous sommes gras, nous marcher.
Nous avons pensé que nous sommes bien. Nous avons pensé que nous sommes en forme. Pas parce que nous sommes en forme, pas parce que nous sommes gras. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème, non? Tout le monde a un problème dans la vie. Tout le monde a une tempête dans la vie qui a bouleversé. Des fois, nous ne connaissons pas bien frais, bien belle. Il n'y a pas de cette idée dans la vie. C'est pour nous que nous avons fait. Mais il y a une tempête intérieure qui a saccagé. Il y a un vent qui a venu contraire dans la ville. Il y a un vent qui a bouleversé. Mais quittez-moi toujours dire, quel que soit Jean, vent, ça a été capable de bouleverser la vie, ou pas oublier, ou bien bon Dieu dans la vie. Si tu sais que tu as un bon Dieu avec toi, peut-être bâtiment est coulé. Mais puisque tu as un bon Dieu dans la vie, puisque le Christ était là, on y a mal pas arrivé. Dites tout ça. Dites tout quel que soit le problème que tu as, puisque bon Dieu dans la vie, on y a mal pas arrivé. Il faut qu'on ait une conviction, ça. Il faut qu'on ait une assurance, ça, comme chrétien, pour qu'on ait un y a mal pas arrivé. Il y a un peu de monde qui pensait, chrétien, c'est le monde qui n'a jamais eu une souffrance. Qui t'aime d'aujourd'hui, on a eu. Si c'est qu'on soit défini chrétien, elle le redéfinit. Avant de penser que chrétien n'a pas eu un problème dans la ville, ce n'est pas vrai. Avant de penser que chrétien n'a pas eu une tempête qui a saccagé la ville, ce n'est pas vrai. Chrétien, on ne peut pas dire, fuck, il y a un problème. Pas qu'un chrétien sans problème. Pas que chrétien sans tempête. Mais, grande assurance que nous gagnons, c'est que malgré les problèmes, malgré les calamités, malgré les tribulations, malgré les tempêtes, le Christ est là. Jésus est dans la vie. Et c'est force ça. C'est assurance ça pour gagner qui pourrait faire que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Personne. Personne parce que bon Dieu dans la vie. Et Jésus pourrait calmer la tempête là. Seulement avec une parole. Tempête calmée. Dans le langage biblique là, mais dans le langage théologique là, il y a les paroles ça d'abord. C'est-à-dire une parole action, une parole agissante. Quand Dieu parle, sa parole agit. Vous avez besoin de bon Dieu seulement de parole dans la vie aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de bon Dieu de faire trop de bagailles. Vous avez besoin de Jésus calmer toute tempête qui est dans la vie. C'est ça qui fait ce qu'on demande pour le monde aujourd'hui. C'est ça. Commettre seulement dit mot parole là, seulement parler dans la vie et toute tempête qui est dans la vie, toute tempête extérieure ou bien intérieure, tout a calmé. Mais au besoin faire ça avec yon la foi qui ferme, yon la foi qui solide. Au besoin gagner confiance dans mon Dieu, parce que qui sait Jésus va le reprocher à vous, homme de peu de foi. Ça que nous qui ça nous craignons non. Puisque je suis là avec vous, où est votre foi? Je dis à Jésus, écoutez la foi. Ce que vous pouvez faire, c'est qui ça? Peu problème que vous avez, vous avez toujours un problème. Peu monde qui a parlé mal pour observer, bon Dieu, ce que vous pouvez faire. Peu pour monde qui parle de encore. Attention. Mais vite, nous découvrir un bagage qui est fondamental. Disciple, vous avez un problème. Vous avez un disciple? Disciple de Jésus qui n'a pas là. Mettre, mais n'a pas. Ou même le problème, quand on allait. Le problème, ou même qui est sur elle. Le problème, ce n'est pas mon nom pour aller. Le problème, ce n'est pas sous forme, mais on peut appuyer vraiment, non? Ce n'est pas sous un, mais on peut appuyer, non? Le problème. Le problème, au seul côté pour garder vers le ciel. Au seul monde pour aller, c'est Jésus. Pour qui ça pour aller Jésus? C'est parce que le pape qui tombe pour contre. C'est parce que c'est lui seul qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est capable de porter solution avec le problème qu'on gagne. Donc, frère, monsieur, notre 12e dimanche ordinaire à Nébé, ça. Nous avons demandé à Dieu pour lui donner plus la foi dans lui. Il était accusé, il était. Accuser les disciples comme monde de peu de foi. Nous-mêmes, on m'a demandé pour augmenter la foi, non? Pas bien qui ça le dit. Si nous gagnons la foi, donc un petit grain de moutarde, nous avons dit que nous avons déplacé à la planter dans la mer, nous avons obéi. Donc c'est la foi son besoin. Il y a la foi qui assure tout le monde dans mon Dieu pour qu'il n'y ait pas peur en rien.
Il y a un pile de bagaille, bon Dieu t'a fait pour vous déjà. Il n'est pas fait parce que vous n'avez pas la foi. Vous demandez, mon pas quoi que la parole. Et le ça, ou pas la prière pour jeûner rien. Parce que vous n'avez pas la foi. Ou pas mettre la foi en évidence. Ou pas exercer la foi en mon Dieu. Je dis, ah, bon Dieu, demandez bon la foi. Demandez bon Dieu tout. Pour le chasser, l'homme ancien, ça ne dégaine pas. Pour le faire nous tourner une créature nouvelle, je ne tape côté, non. Les Paul écrit mon Corinthiens pour nous donner une créature nouvelle. Et nouvelle créature, ça n'a pas tourné, hein? C'est avec la foi que nous allons gagner, mon Dieu. C'est avec confiance que nous allons faire, mon Dieu, pour nous joindre qualité monde nouveau, ça. Qualité monde, ça qui est rempli avec la foi. Pour que merveille, mon Dieu, tout bon, capable de réaliser dans la vie. Je demande, mon Dieu, faveur ça. Je demande grâce ça pour que la tempête qui est dans la vie nous soit capable de calmer. Pour que la tribulation qui est dans la vie nous soit capable de calmer, pour le capable d'animer dans le fond que nous, mais déposer dans le fond que nous, remettre là, que content là, pour nous capable de témoigner, pour lire, de lire, tout côté nous passer, dans nos papas petites là, avec l'Esprit Saint. Hein? Maintenant, je vous invite à vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, la mort a été ensevelie, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers et frères, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Commette-moi, prélève, secours-moi. Pour l'Église Jésus-Christ qui gagne sur toute face terre, c'est pour bon Dieu continuer à guider toute responsable. Pape François, évêque yo, père yo ak diak yo, comme ça yo va continuer aider peuple bon Dieu à vivre la foi yo tout bon vrai. Ensemble, en nous la prière. C'est n'a pas la prière pour tout dirigeant dans le monde là. Yon façon est spéciale pour si la yon kap dirige pays nous Haïti. Tant prie grand maître, mettez l'esprit remerlant avec l'esprit bon comprenou an nan kè yon. Kon sa yon va arriver comprendre, yon va arriver prendre conscience et yon va wè nan ki état yon la gè pays nous an. Ensemble, en nous la prière. Pour les malades, les démunis, les sans-abri et pour tous ceux
qui soupirent dans leur cœur et dans leur âme. Dieu de bonté, aide-les à surmonter leur calvaire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale et pour nous tous ici rassemblés dans ta maison. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de discernement afin que nous travaillions ensemble pour l'avancement de notre communauté. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, dans une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et le pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Maintenant et à jamais, béni soit ton nom, maintenant et à jamais, béni soit ton nom, maintenant et à jamais, béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom. Au plus haut des cieux, Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint, béni soit ton nom, maintenant et à jamais, béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Seigneur, oh, mon félicité, oh, béni soit ton nom. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te rendons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Monseigneur Duc-Ange, Père Crispin, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres que tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Allons bon manger, ébanouis-nous. Manger la vie, manger nourrissons. Je chante
Ensemble le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour nous continuer, faire la prière neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Prière neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ô Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous voici posternés au pied de votre image, assurés que malgré notre indignité, vous jetez sur nous du haut du ciel un regard de maternelle tendresse. Assurez aussi que selon l'immense bonté de votre cœur, dont nous avons reçu tant de gages, vous nous accordez les grâces, l'aide et la protection dont nous avons besoin.
soyez vraiment la reine chez nous. Et nous vous supplions de réaliser pleinement ce que signifie et ce qu'exige ce geste qui nous consacre à vous, c'est-à-dire le triomphe rapide et total du règne de Dieu chez nous. Pour cela, achevez bien vite votre victoire contre le démon dans la lutte qui se poursuit pour arracher les âmes à l'esclavage spirituel afin qu'elles trouvent la vérité et le salut. Ayez pitié de tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur âme. Étendez sur chacun de nous, sur nos familles et sur notre patrie, le bienfait de votre maternel et puissant patronage. Sainte Mère, nous avons confiance en votre perpétuel secours. Ensemble. Maman perpétuel secours. Maman perpétuel secours. Portez-nous secours contre maladie. Portez-nous secours contre maladie. Contre pandémie. Contre pandémie. Contre insécurité. Contre insécurité. Contre persécution. Contre persécution. Contre toute attaque ennemie. Contre toute attaque ennemie. Nous mettez devant toute demande nous yo. Nous mettez devant toute demande nous yo. Demande famille nous. Demande famille. Demande pays nous. Demande pays nous. Demande toute petite tout yo. Demande toute petite tout yo. T'en prie portez bas Jésus. T'en prie portez bas Jésus. Allez cognez là chaque monde a fait demande pas yo à bon Dieu par l'entremise maman perpétuelle. Pour que bon Dieu capable d'accorder nous les grâces nécessaires. Fais demande à bon Dieu. Demandez maman Marie, maman perpétuelle pour lui intercéder pour. Notre-Dame du perpétuel secours. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Non saliez-vous, maman. Notre-Dame. Maman, je que sauver. Maman. Maman, délivre-nous, nous saluons, maman Notre-Dame, maman qui toujours beauté, secours, maman, maman qui règne dans ciel-là, maman qui veut vous voir. Maman qui gagne sensé, pour tout pitié, mais saluez maman Notre-Dame, maman Jésus qui sauve, maman délivre-soyez, non saluez maman Notre-Dame. Maman qui toujours porte secours. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Benoît, chassez Satan de nous. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Quelques annonces tout petit. Nous disons tout le monde merci avant que nous annoncions. Chorale là, musiciens yo, acteurs liturgiques yo, enfants de chœur yo, nous autres qui participent dans la célébration ça, nous disons merci. Nous rappelons que demain 21h,
abgayé messe dans le qu'on avait gagné 6h 7h et abgayé prière du soir à 8h abgayé veillée. Demain c'est 21, tous les 21 gagné veillée, mais on a fait veiller en ligne. On a fait veiller en ligne pour nous éviter foule parce que nous connaissons avec montée pandémie, hein, je ne connais faire veiller de façon ordinaire, nous pas faire comme ça. Mais tout le monde est capable de suivre hein, sur radio, télé, Alta Grâce parce que nous avons fait en ligne. Et puis, pendant ce maintenant, mardi, si Dieu veut, dans paroisse Saint-Pierre, c'est vrai le funérail du révérend Père Guy Crispin. Nous connaissons que Monseigneur Ducange est mort, le funérail est fait mercredi passé. Et semaine ça, donc mardi, même heure, même église Saint-Pierre, on a fait funérailles Père Guy Crispin. Mon Dieu est capable de déplacer pour aller, même si la place est limitée, on est capable de faire, mais on est capable de tout suivre en ligne, on est capable de jeûner sur Télé-Soleil, on est capable de garder sur RTA, on est capable de brancher pour nous suivre funérailles Monseigneur, enfin Père Crispin, sur RTA. Et puis, 24 juin, c'est nativité de Saint-Jean-Baptiste, donc on a gagné messe dans l'heure, nous avons habitué, gagné. Vendredi, c'est Abgayen Messe dans le Conavitio Gagnon, et à 4 heures, Abgayen Adoration du Sacrement. Gagnon, groupe Maradio, qui a célébré dimanche à 8 heures, il a invité nous dans Messio. Et qu'on y a disposé nous pour nos premières bénédictions, pour nous capables de finir la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne fin de journée et bonne semaine. Merci, mon Père. Pareil. Merci. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la foi avec que nous possédons. Vent, maître, soufflé, tempête menacée, le palais au tendu. Jésus, au toujours là, pendant toute la foi avec que nous possédons. Dans la main, y'a teillé, y'a l'âge d'un traversé, dans ton autre lâche, y'a bien posé. Jésus même fatigué, il fait un penché, et tout de suite, ce mec porté l'allée. Bombe top soufflé, bombe top soufflé, tempête menacée, l'aile palais attendé. Jésus, toujours là, pendant toute la foi, fait que